Salutations, je suis dans le parc zoologique de Paris qui nous fait l'honneur de nous accueillir pour nous présenter leurs petits protégés. Nous aurons aussi les lumières d'un soigneur qui répondra à mes questions sur des petits oiseaux qui ne quittent jamais leur smoking. Sur les côtes de l'hémisphère sud se profile la silhouette d'animaux étranges, la démarche dominante, un air maladroit, presque comique. Ne pouvant pas voler, ces oiseaux sont bien plus à l'aise sous l'eau que dans les airs. Appelés abusivement pingouins à cause de mauvaises traductions, les manchots sont bien plus que des personnages attendrissants dans des mauvais films d'animation. Oui, c'est gratuit, je déteste Happy Feet. Le dernier ferme la porte ? Ah ben oui ! Voilà, donc... Notre petit groupe de manchots et cette neige-là. Donc ils perdent... Donc on est en juillet, là. Voilà, c'est la période... les pertes de plumage. Souvent, le fait qu'on ignore le pourquoi du comment, on va se dire, bah, il perd ses plumes, c'est pas bien. Et en fait, c'est juste normal, parce que bah, il faut rénover. Les plumes, elles servent à garder la température. Donc un plumage parfait va permettre aux animaux de ne pas avoir froid. Un plumage non parfait ou maintenant, bah, la température elle va être beaucoup plus importante. Donc ils vont moins dans l'eau, ils vont vraiment faire attention à se mouiller le moins possible ou en tout cas à limiter ces pertes d'énergie. J'en cherche une. L'intérêt de la plume, c'est qu'elle garde la température. Ils ont au niveau du croupion une glande uropygienne qui va créer une petite huile. Et on les voit régulièrement, en fait, aller se pincer les fesses et ensuite, avec le bec, toucher leur plumage. Ils vont huiler. Ah oui, voilà. C'est une matière qui est un peu hydrophobe aussi pour oui, c'est ça, voilà. D'accord. Mais surtout, ça permet de garder la température. Et ces petites plumes, en fait, elles sont toutes petites, elles sont un petit peu hachurées sur les côtés, qui ouais. permettent vraiment de se souder les unes aux autres. Ah oui, donc ça fait donc, d'un point de vue structurel, voilà, ça fait vraiment quelque chose de très ferme. Ils ont une cotte de maille, en fait. Ouais, c'est moins lourd, mais c'est le même principe. D'où l'importance, nous, pendant la mue, de voir qu'il n'y a pas de trou. Parce que sinon, ils mettent de l'huile sur rien. Et les plumes ne s'accrochent pas entre elles. Ah, s'il en manque une, c'est... Ouais, une, ça va aller. Mais il ne peut pas rester comme ça en plein hiver. Oui. Les manchots sont des oiseaux inaptes au vol qui ont su coloniser divers habitats, même les plus extrêmes. On peut retrouver les 18 espèces connues à ce jour dans l'hémisphère sud, aussi bien sur les côtes des régions tempérées que sur les moins accueillantes du continent antarctique. Ici, au parc zoologique de Paris, ce sont des manchots de Humboldt qui barbotent joyeusement dans leur bassin. C'est une espèce sud-américaine qui, à l'état sauvage, vit en petits groupes sur les côtes du Pérou et du Chili. Qu'est-ce que vous leur donnez à manger du coup? Des poissons et... On est sur trois types de choses. On est sur du sprat. Le sprat, c'est un petit poisson type sardine, très gras. On a du caplin qui est lui par contre riche en eau. Et on a des petits harengs qu'on varie, des choses comme ça. Dans les moments où ça va être des courants d'eau froide, bah, naturellement les poissons qui passent sont des poissons gras pour résister au froid. Donc eux, c'est pareil. Et quand on va avoir les courants d'eau chaude, on va retrouver les petits calamars, des poissons riches en eau. Et c'est magnifique de les voir se régler comme ça. Et nous, juste, on cavale derrière en disant « Ouais, en ce moment, ils préfèrent ça. Bah, » Ok, pas de souci, on va là-dessus. Donc ouais, on va les nourrir. Donc là, on a fractionné, on a, je crois, 2,5 kg à leur donner. Lui, il est en préparation de ration, d'alimentation pour les otaries de demain. Donc moi, je vais simplement ce plat-là à prendre au frigo. Donc ça, c'est le repas que je vais donner maintenant. On se retrouve avec les espèces de poissons dont on parlait tout à l'heure, à savoir du sprat, du caplin et un peu de hareng. C'est parti! Manchot! Ouhouhou, c'est dur, hein? Très affreux! Ouais, champion! Tu veux quoi? Sprat ou caplin? T'as le choix. Yep! Pareil. Non, celui-là, il te plaît pas, celui-là. Salut, toi! Voilà. Youhou! Et on laisse pas trop parce qu'on a les mouettes et les pigeons. Les mouettes sont capables de plonger vraiment dans l'eau pour prendre tous les poissons qui sont en train de couler. Et donc, on a possibilité d'avoir des plaies parce qu'une plonge et l'autre arrive par en dessous. Donc, on essaie d'éviter tout ça. Y a plus rien. On reviendra.
Les manchots de Humboldt, ou Sphenicus humboldti de leur nom scientifique, sont des oiseaux qui mesurent entre 65 et 70 cm de hauteur et pèsent de 3,5 à 5 kg et ont une longévité qui peut aller jusqu'à 20 ans dans la nature et 30 ans en captivité. Malgré une démarche gauche sur la terre ferme, leurs performances de déplacement sont bien plus stupéfiantes dans l'eau. En effet, ils font preuve d'une grande agilité en milieu aquatique et peuvent atteindre une vitesse de 30 km/h et peuvent rester en apnée une dizaine de minutes en moyenne. Ces capacités leur donnent une chance d'échapper à leurs prédateurs comme les orques, les phoques ou les otaries et leur permettent d'attraper leurs pitances constituées de poissons et de crustacés. Une fois le ventre plein, ils rejoignent leurs congénères regroupés en colonies que l'on appelle aussi roucris. Régulièrement, aux otas et aux manchots, les enrichissements alimentaires peuvent être du vivant. Et comme on est sur un bassin non chloré, on peut mettre des truites. On met des truites l'hiver pour avoir en fait un enrichissement. Ça stimule tout le monde. Par contre, pour le bien-être de la truite, cette fois, on les retire en mars-avril parce que la température d'eau, nous on a un bassin qui chauffe et on va avoir quelque chose qui est vraiment pas correct. Même les poissons qui sont censés servir de nourriture sont bien traités, quoi. Bah ouais. Lors des périodes de reproduction, ces animaux tout de noir et de blanc vêtus rencontrent ou retrouvent leurs partenaires auxquels ils seront fidèles toute leur vie. De leurs ébats résultera un ou deux œufs qui seront couvés alternativement par les deux membres du couple et au bout de 40 à 43 jours d'incubation, un poussin pointera le bout de son bec. Alors, on est donc en backstage. Ça, c'est des nids amovibles. On a deux types de nids. On a essayé de recréer en fait une falaise rocheuse ou en tout cas des infractuosités dans les rochers. Là, on a une lorgnette pour voir si ça se passe tout bien. Ah, d'accord. Dans le pire des cas, on peut vraiment ouvrir le système et on peut la fermer de l'autre côté et carrément partir en vacances avec eux. Ah oui, vous pouvez. Et on peut soulever vraiment, voilà. Non, les œufs, non, mais par exemple, lorsqu'on a besoin d'isoler un individu, l'option a été réfléchie en fait. Un des moyens de séduction, c'est de leur amener des petits cailloux, des branches. Quand on est vraiment dans la période de nidification, on ramène de la brande naturelle ou des choses comme ça pour que les mâles fassent ce travail de séduction et après de consolidation des nids. Un nid manchot, ça fait 25-30 cm facilement en fait. Tout le temps, ils vont ramener des matières sèches dedans. Le nid va donc monter et naturellement, en fait, ils vont assainir l'espace de vie. Puisqu'on parle de couple, cette espèce a su défrayer la chronique en 2005. Au zoo de Bremerhaven, en Allemagne, deux manchots de Humboldt, Tzet et Philpunkt, formaient un couple uni. Ils nageaient, construisaient leur nid, faisaient des parades amoureuses, s'accouplaient. Bref, rien de bien étrange pour des manchots. Sauf que Tzet et Philpunkt étaient deux mâles. À force de les voir couver des pierres, les soigneurs ont fini par leur donner un œuf dont les parents ne s'occupaient pas correctement. Ils se sont alors relayés pour couver l'œuf, se sont ensuite occupés du poussin après son éclosion, l'ont nourri, l'ont élevé, l'ont protégé, bref, tout comme l'aurait fait un couple composé d'un mâle et d'une femelle. Oh, est-ce que ici vous avez des couples homosexuels ? On a tout, ouais. Vous avez tout ? Ouais. En fait, on observe, en fait, généralement, il y a une fidélité. On a des couples qui se font et ça reste là. Pendant des années. Des années. Ils vont même au même nid. Et ce couple de mâles n'est pas le seul. Rien que dans ce zoo en Allemagne, on pouvait compter trois autres couples de mâles. Et le zoo de New York comptait un couple de mâles manchots jugulaires qui avaient eux aussi couvé un œuf donné par les soigneurs et élevé le petit une fois éclos. Parce que ça vous est déjà arrivé de donner un œuf à un couple homosexuel aussi pour qu'il s'en occupe ou... C'est pas le côté même sexe qui va nous faire aller là-dedans. Ouais. C'est simplement ce qu'on a détecté. C'est, par exemple, si c'est deux individus, quel que soit le sexe, mais qui n'ont jamais eu d'expérience de naissance, on va pas prendre le risque. Ils doivent rester au nid, ils doivent s'alterner, ils doivent nourrir. Et si dans les deux parents, il y en a un qui est expérimenté, ça va se transmettre. Si on a un couple, quel qu'il soit, qui n'a jamais eu d'œuf, on ne va pas prendre le risque de prendre un œuf d'un nid pour le mettre chez des parents qu'on n'a jamais vu élever. Oui, bien sûr. Donc mais de base, si ce sont deux parents qui n'ont pas d'expérience, vous laissez faire l'expérience. Ah oui, oui, ça oui, c'est sûr. Ah, oui, par contre, on ne va pas provoquer sur un couple qu'on ne sait pas. La première chose que l'on peut imaginer, c'est que ces animaux se sont mis par défaut en couple homosexuel par manque de femelles, et qu'un tel phénomène était dû en réalité à la vie en captivité. Mais en fait, pas du tout. Dans la nature, les couples de même sexe peuvent aussi être observés, qu'il s'agisse de deux femelles ou de mâles, et ce, chez différentes espèces de manchots, mais pas que. En fait, cela existe chez pléthore d'autres oiseaux, chez les singes, les chauves-souris, les girafes, les mouches drosophiles, les geckos. En fait, on a pu observer des comportements homosexuels chez plus de 470 espèces. Et encore, ce chiffre vient d'un article qui date d'il y a quelques années maintenant. Alors, c'est peut-être encore plus aujourd'hui, parce que l'on s'intéresse de plus en plus au sujet.
Si la sexualité est sans doute apparue pour permettre la reproduction sexuée, donc entre un mâle et une femelle, il n'est pas fou de penser qu'elle a pu évoluer pour remplir d'autres rôles qui ne sont pas limités qu'aux relations hétérosexuelles. La diversité des systèmes sociaux et d'accouplement fait partie de la biodiversité et peut contribuer au succès d'une espèce. Donc bon, pour ceux et celles qui pensaient peut-être que l'homosexualité n'était pas naturelle, déjà ça veut dire quoi, pas naturelle ? Bon, en imaginant que cela veut dire qu'on ne trouve pas ces comportements chez d'autres animaux que chez l'humain, eh bien, désolé, mais l'homosexualité est naturelle. Ce qui ne l'est pas, c'est sa non-acceptation. Aucune autre espèce animale ne condamne ou interdit l'homosexualité. À bon entendeur. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Il y a d'autres épisodes qui arrivent, alors surtout abonnez-vous à la chaîne et mettez la petite cloche des notifications pour être vraiment sûr d'être prévenu. Et puis, on se retrouve bientôt. Je pense que je vais m'installer un petit lit dans un coin et on est bien ici.